Non mais sérieux. Bon, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG Normandie, enfin je sais pas si on sera dans un nouvel épisode ou pas. Quoi qu'il en soit, vous avez eu quelques petites séquences avant normalement, où je vous montrais un petit peu l'évolution de mon aventure sur Feed the Beast. J'ai des météorites qui m'arrivent sur la gueule. Donc ça c'est génial. Je viens d'en avoir deux qui viennent de me péter la droite devant à l'instant. Vous voyez, la terre est encore là. Ma query, ma première query est terminée. Il y en a une autre qui est prête à être lancée. Je ne l'ai pas encore lancée. Désolé pour ma voix, j'ai. Ouais, soirée hier et je la vois un petit peu enrouée. Elle s'en est où ça? Ça se remplit. Ok. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, donc on va voir éventuellement pour se faire notre premier Tesseract. Enfin, non, on va avoir autre chose avant. On va essayer. Déjà, on va repasser en normal. Et on va essayer de se faire un Enderman. Enfin, au moins de. Ouais, on va essayer d'avoir un Enderman. Pour cela, plusieurs solutions. Que je dise pas de bêtises. Allez, où ma safarinette? Elle est pas dans le secteur? Bon, pas mal de goodies, hein, sinon il y a également. Ça doit être encore plein d'ailleurs, non? Des boîtes de scrap, je les ai pas ouvertes, je les ouvrirai avec vous. Et puis, je charge juste ma safarinette. Je l'ai foutu. Là, elle est là. Elle est là, elle est là. Plusieurs solutions, donc je pense plutôt qu'on va faire une assez simple. On va faire une boîte, une sorte de grosse boîte. Donc tout ça, c'est la cobble. Voilà, qui ne me sert pas, enfin qui est sortie de ma query. Beaucoup de ressources, on a eu beaucoup de ressources. Non, pas ça, ça. Et éventuellement, j'ai vu qu'on avait eu un truc. Oui, vous avez vu également que j'ai eu le. Que je suis tombé sur un donjon avec des choses assez intéressantes. Si j'avais un instant. Elle est là. Build wand. Et j'avais donc une build wand. Il faut que je revoie comment on s'en sert, mais normalement, ça va être assez simple. Je vais me mettre là-bas. Et puis là, donc normalement, ce que je dis pas de bêtises, si je me mets là et que je fais un clic droit, voilà, j'ai posé les blocs qu'il fallait. Allez, hop. Neuvième. Ouais, au moins ça, c'est cool ça. Allez, hop. Hop. Et hop. Ah, j'ai oublié de fermer mon Facebook. Ok, 3 de hauteur. Il va nous en falloir un quatrième. Ok, je vais rechercher un peu de cobble. On va se faire une boîte comme ça. Normalement, j'ai assez ici. Bon, ça devrait aller. On va juste se faire une boîte là où les mobs spawneront. Que dire de plus? Et puis, ben, c'est tout. On va se faire ça. Ma query, étant donné qu'on a énormément de cobble, ma query, je vais pas l'ouvrir. Enfin, je vais pas la lancer tout de suite. On a suffisamment de ressources pour avancer un petit peu.
pour le moment. Et puis je la relancerai quand on aura besoin de ressources. Comme ça, c'est bon. Allez, hop. On va juste laisser un passage ici. Ok, ici c'est cool. On a presque fini. Voilà. Et ici, donc, on aura des mobs qui spawneront. On va s'éloigner un petit peu, évidemment, pour que ça puisse faire effet comme l'on veut. Et dès qu'on aura un Enderman là-dedans, eh ben, on pourra faire ce qu'on a à faire. En attendant, ok, nickel. Ici, là, moi, j'ai plus rien qui traîne. Non, ici non plus, ok. Question ressources, on va faire le point très rapidement ensemble si vous voulez. Ici j'ai rien qui... Ah si. Un peu de silver. Bon allez, hop. J'ai refait des barrels de chaque côté, enfin des barrels, c'est des basing casting, des casting basing plutôt. Ce sera mieux dans le bon sens quand je le dis. Et puis, question ressources, c'est ici. Voilà, hein, on a de quoi faire. Pas mal de diamants. Des émeraudes, il y en a deux ici. Non, pas ici. Ici. Voilà. Ici, tout ce qu'il me manque, c'est juste une netherwart. Et on aura un auto... C'est un auto-spawner ou un... Ouais, c'est auto-spawner ça. C'est auto-spawner. Et juste pour voir un grinder également, ça pourrait être sympa pour d'une usine à mob. Un grinder, une épée, des tingers, deux livres, un redstone machin. Ok, bon, ça peut encore se faire. Juste deux livres. J'ai vu que j'avais de la canne à sucre là-bas, on va aller en récupérer. Quoi qu'il en soit, on va aller dans le nether. Je vais juste vider mes ressources. Foutre ça en vrac là-dedans avec ceci et je remplirai ça plus tard. Oui, et une épée, une épée en fer, donc on va reprendre du fer, un petit stick pas ici non plus. Non plus. Normalement, il y en a ici. Toujours dans le dernier coffre, hein. Toujours. Ok, et on est parti. Donc je veux de la netherwart. C'est ce que je veux. Donc on va partir aller en chercher rapidement ensemble. Je vais peut-être faire un time-lapse. Et surtout, je suis donc en normal. Pourquoi? C'est pour pouvoir me buter. C'est ça, hein, je suis en normal. Hein. Oui. C'est pour me faire un pigmen. Je veux me faire un pigmen. Pourquoi? Simplement pour la résistance au feu. Génial. Viens là. Normalement, je peux me le faire. Oui. Bon, problème, c'est que je suis pas tout seul. Bon. Ok, donc là, dans le nether, ça, et donc on a résistance au feu.
Je suis parti sans bouffe, je suis un inconscient. Ok, je rebrousse chemin, j'ai pas... J'ai pas prévu la bouffe. Et apparemment ma bouffe elle a chuté d'un seul coup quand je suis passé dans le nether, ou c'est juste moi qui ai pas fait attention. Bon, en tout cas, résistance au feu, c'est génial. Ensuite, une bouffe, ça doit être dans le secteur. Non. C'est là. Deux stacks, il y aura. Ok, on y retourne. On y retourne un peu low vie, mais ça devrait le faire. Remarque, hop. Ça le fera aussi. Bon bah écoutez, bah, petite coupure, enfin on va rester un petit peu ensemble, un petit peu, mais dès que je vois que ça fera un petit peu long, je passerai certainement au timelapse. Je vous remettrai une de ces fameuses musiques de Newground. Je suis un pigman, hein. Ouais, donc pigman, hop, résistance au feu, ça va être génial, c'est contre les... C'est contre les Blaze, ça va être génial. Bon. Allons voir un peu par là. Ce qu'il y a. J'ai noté les coordonnées du portail sur ma Rise minimap. Je ne pars pas entièrement à l'aveuglette. YOLO. Oh. Quel con, il n'y avait qu'un seul d'espace. Eh merde. Bon. Je pensais pouvoir tomber dans la lave tranquillement. Bon bah écoutez, ben c'est sur cette mort qu'on va se lancer en timelapse. Allez. A bientôt. A tout de suite.
Ok, donc on a enfin trouvé de la Netherwart. Donc on va s'en prendre un peu. Est-ce qu'on explore encore un petit peu plus le donjon? Peut-être. Excusez-moi toujours pour ma voix. Je sais pas ce que j'ai un peu mal à la gorge vraiment. Ok. Ici, il n'y a rien. Je suis en pigmen, hein, donc je crains pas la lave. Rien d'intéressant. Bon, même pas une petite zone à blaze, non? J'aurais bien pris quelques blaze rods avant de partir, mais bon. Apparemment, c'est juste une toute petite forteresse. Donc, je pense qu'on va pas insister. Ah non, ça continue là-bas. Bon, allez, on y va. Objectif, trouver des blazes quand même. On va profiter d'être pigmen pour se les faire. Flint and steel, un peu d'or, un peu d'iron. À droite encore de la Netherwart, on peut pas cracher dessus. Vraiment coupé de partout hein, cette forteresse. On va bien voir. Oula. Objectif, juste trouver 2-3 blazes et puis les buter, histoire d'avoir au moins un stand à potion. Après les blaze rods pour autre chose. Potion de force, ça peut pas nous servir à grand chose, je pense. Et puis dans les crafts, je sais pas si on s'en servira beaucoup. Descendant. S'il n'y a rien. Ah bah quand même. Ok, on a des blazes. On va passer en peaceful. Ah, pas en peaceful, en easy. On fera pas grand chose. Combien de blaze rod? On va en avoir une petite troisième et puis on s'en va. Galérer avec les commandes. Non, il n'a pas lâché. Non, donnez-moi des blaze rods.
5, oh, c'est bon. On en a assez. Allez, hop, option. Repasser en pissoule temporairement et puis on s'en va. Ok, donc les coordonnées du portail. T'en étais loin quand même. Waouh! Ah ouais! Pas une petite forteresse quand même qu'on a trouvé. On a galéré à la trouver, mais on l'a trouvé. Alors, portail en 2,70-17. Ok. 70, donc déjà c'est plus haut. 2 et 17. Donc là on réduit. Et c'est par là. Ok. Bon ben, pff, coupure, hein, je refais pas un. Ouais. C'est bon. On passe, on passe, on passe. Bon déjà, je suis à la bonne. Bon. Je coupe, je vais récupérer mon stuff et je reviens. Bon, ok, j'ai vraiment le jeu qui déconne, moi. Bon, ben une bonne heure plus tard, le temps que j'ai récupéré mon stuff et que je le ramène ici, que je prépare déjà la suite. D'ailleurs, je suis toujours en pigmen. Je peux flyer en. Excusez-moi, il y a une coupure arrivée à un moment, puis j'étais au téléphone après, donc j'ai fait l'auto-spawner. Je viens de faire le grinder donc avec un Invar Sword, donc ça se fait avec de l'Invar, ça coûte assez cher. Un Tingir se fait avec simplement de l'iron au milieu et du tin autour. Donc ça c'est assez simple. Les bouquins, vous savez comment c'est du vanilla. Le redstone chez Chemical, je vous le montre encore une fois, mais c'est pas compliqué, c'est de l'or et de la redstone. Et les plastic sheets, c'est pas compliqué non plus. Faut faire chauffer. Non. Voilà, faut avoir du raw plastique et le raw plastique se fait en faisant cuire du rubber bar et le rubber bar se fait en faisant cuire lui-même du raw rubber. Donc deux fois, faisant cuire deux fois du raw rubber, on en a. Voilà. Donc j'ai un petit peu d'Invar, je le mets en réserve, j'ai 7 lingots d'Invar, ça pourra toujours servir. D'ailleurs, ça a dû se mélanger avec. Non, ils sont là. Hop, ça je range, ça je range, ça je range. Ça peut toujours se servir. Non, ça sera pas là. Redstone. J'ai récupéré mon ordonnée de glace parce que j'étais dans le. Dans l'induction smelter. Donc simplement ici. D'ailleurs, est-ce que j'en ai encore? Non, j'ai dû le ranger. En mettant en fait de la. Du. Comment? En fait dans le pulvériseur, je mets de la. De l'obsidienne. De l'obsidienne, j'en ai. Voilà, hein, il y avait un petit lac de lave dans ma cuillerie, donc évidemment j'ai récupéré toute l'obsidienne. Et après, donc la poudre d'obsidienne, en fait, je la mets ici, puis ça, avec le lead ingot, ça me fait de l'ardonnay de glace. Je vais augmenter un petit peu mon son. Voilà. Et puis voilà. Donc pareil, enfin non, du silver c'est bon, de l'aluminium aussi, du tin on en a, du lead, voilà, du lead on en a aussi pour un bon bout de temps. Donc on est plutôt peinard hein, sur tout ça. Ça pareil, le générateur avec le recycleur, qui est plein d'ailleurs. Donc on va. On va se faire comment des scrapbox en plus. Pour voir les goodies, quand on aura besoin de goodies, au moins on peut toujours. On peut toujours en avoir quoi. De toute façon, il faudra qu'on envisage de déménager. Ça va être inévitable parce que je ne vais pas pouvoir rester ici déjà, premièrement parce que je récupère des météorites sur la tronche, ça fait pas spécialement plaisir. Et puis
J'ai des concepts éventuellement. Faudrait que je réfléchisse. Mais vu qu'on peut se transformer en poulpe, je pensais éventuellement à me mettre en sous-ma. Comment dans. Voilà, sous la mer. En poulpe, c'est assez facile de construire sous la mer. Maintenant, à voir avec la redstone pour les machines, tout ça, comment on peut s'organiser. Mais là-dedans, j'aimerais bien m'y mettre, à la limite, construire quelque chose et puis essayer de gérer. Ce serait sympa. Mais bon, après, tout le monde n'aime pas forcément les constructions en mer, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, soit à la surface de l'océan, soit dans l'océan directement. Les deux sont faisables, hein. On est dans Feed the Beast après tout. Voilà. Et puis ça, ce sont des scrapbox en plus. Voilà, bon, dans les scrapbox, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, hein, mais bon. Pour le moment, je stocke, c'est pas perdu, c'est là. J'aurais bien envie de la lancer quand même, cette query, mais après, ça va être la question des barils et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Bah, on va déjà récupérer, hop, notre grinder. On va récupérer également... Où est-ce que je l'ai mis? Non, oui, je l'ai mis avec le plier d'Energy Sticks. Voilà, l'auto-spawner. Je suis en... Peaceful, pas de bol. On va se mettre en hard carrément pour faire spawner plus vite. Normalement là-bas c'est censé spawner, hein, assez rapidement. C'est merde là, je vais agir très vite, hein. Parce que c'est marrant 2 minutes, mais ça casse rapidement les rouleaux. Ici les divers. Donc pareil, Ars Magica, on a le mode, mais je pense pas qu'on s'en servira parce que déjà la magie dans Minecraft, j'ai plutôt du mal. C'est pas vraiment mon dada, entre guillemets. On va le mettre là. Et Ars Magica. Tant que j'y suis, je sais pas pourquoi j'ai des nuggets ingots. Mais ça ne m'intéresse pas. Ah oui, hein? Oula, il me manque un tank, moi. Merde. Soit je l'ai rangé, soit je l'ai... Bon, on va en faire un. On va refaire un tank, c'est pas ça qui coûte très très cher. En plus, on pourrait même le faire en... En Ardennes, bronze, copper. Copper... Un peu de copper et avec du lead. Ok. Alors, copper. Glace. Ce qui nous fait un portable tank et le portable tank. Entouré, ouais, donc portable tank entouré de lead. C'est pas avec du lead. C'est avec quoi le tank? C'est avec de l'invar. Portable tank, hardened tank, c'est de l'invar. J'ai rien dit. Là, le lead, je vais le ranger et c'est de l'invar. De l'invar, hop. Voilà, ce qui nous fait un Ardennes tank et le tank supérieur. Le renforcé. Allez, on pourrait se faire les renforcés. J'ai du Ardennes glace. Mais bon, pour le moment, c'est juste pour... Hop. Non. Hop.
Du sludge. Le sludge, ça me rapporte pas tant que ça, donc pour le moment on s'en fiche un petit peu. Un peu de craie, un peu de dirt, un peu de sable, de gravier. Le reste bof quoi. C'est juste parce que ça me coûte rien de d'utiliser le sludge. Sinon, je m'en servirai même pas quoi. Ok, allez, on va voir un petit peu ce que ça donne là-bas. Creeper. J'ai eu un petit freeze. C'est quoi ce freeze de la mort? Pourquoi j'ai freezé comme ça? Bon. Savez, je peux pas remonter en plus. Ah, là t'es dans la merde. Voilà. Bon, pas de... Pas d'Enderman ici. Et un creeper qui m'a tout fait péter. Bon, ça fait rien. C'est pas bien grave. De la cobble, on en a. Est-ce que j'ai encore ma constructeur? Non, j'ai pas. Bon, bah justement. Alors, le problème, c'est que je crois que j'ai fait le con d'ailleurs. Parce que là, ça me fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Zut. On va le reconstruire ce truc-là bien proprement. Bon, on va laisser ça là comme ça. On va refaire un mur ici. Pas là. Donc ici on va avoir le mur, ça pose pas de problème. Ensuite on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on arrête. Ok, 5, ce qui fait qu'au milieu ici on va casser et on va y mettre l'auto-spawner. L'auto-spawner ici. Ok, ça c'est nickel. L'auto-spawner. Alors, il va nous falloir de la mob essence. Ça, je le sais. Je sais plus où on a récupéré, mais on va pouvoir en récupérer certainement quelque part. Comment on récupère de la mob essence? Bonne question. On va voir. On va voir comment on récupère de la mob essence. Quoi qu'il en soit, normalement, on peut mettre une safarinette là à la place de l'œil. Normalement, c'est pas censé être une safarinette.